Dans le quatrain 79, Nostramus nous dit « La durée de la vie sera limitée par les armes des pouvoirs qui sont qu'arrogance et magnificence des hommes. » Nostramus dit « J'aide pour le danger que vous aurez pour cette année de neige noire. Pour l'heure, il faudra avoir l'équivalent du blé, c'est-à-dire du maïs, de l'orge, de l'avoine et du seigle. Pour l'heure, ce sera la hausse. Et oui, tout augmentera. Vous connaîtrez l'heure des raves, c'est-à-dire les navets, les radis, les betteraves. » Pour les personnes qui ne connaissent pas mon travail, sachez qu'il y a 43 ans, j'ai réussi à mettre à jour une écriture secrète dans les textes de Nostradamus. Les preuves à l'époque ont été mon prénom et mon nom inscrits correctement suivis des mots « mis le sens de la clé ». La vie de Napoléon et la vie de Louis XVI étaient résumées dans la même page, ainsi que des événements personnels. Je vous fais part de mes découvertes. Je vous révèle toutes mes découvertes dans ces vidéos. Voici le quatrain 79 de la Centurie 5. Par sacre pompe viendra baisser les ailes, par la venue du grand législateur, humble haussera, vexera les rebelles, naîtra sur terre aucun à émulateur. Dans le refuge à 1180 mètres de hauteur, il nous reste trois chambres. Il y en a deux au rez-de-chaussée pour les mobilités réduites et une au premier étage. Maintenant pour l'abri souterrain, qui se situera entre 950 et 1000 mètres de hauteur, que nous allons construire sur un terrain de 12 hectares, à partir d'octobre 2023, mais surtout 2024, nous proposons l'entrée dans une SCI pour chaque acquéreur, afin de protéger le patrimoine de chacun. Une place pour deux personnes représente 2000 euros par an pendant 5 ans, ce qui permettra l'autofinancement du projet et le remboursement de la personne qui finance le projet. Sous la vidéo, dans la boîte de dialogue, vous avez une adresse mail pour nous joindre et également une autre adresse mail pour recevoir les plans. Nous sommes déjà 14 sur le projet. En plus, vous devrez participer financièrement à l'achat de nourriture sèche, telle que le riz, les pâtes, les haricots, les lentilles. Surtout pas de cuisine en boîte toute faite, sauf pour des sauces, des concentrés de tomates ou autres. Il faudra prévoir également des stocks de vêtements de toute taille, chaussures comprises. Nous nous servirons des terres cultivables pour produire des aliments secs que nous ferons sécher sur place. Maintenant, voici la révélation. Voici la première ligne du quatrain 79. Par sacre, pompe viendra baisser les ailes. Voici la révélation. Le pouvoir de cet art des mots, l'avoir de l'air des mots ressassé, cela est sacré. En ayant cette première connaissance créée en période de repos, la durée de la vie, limitée par les armes des pouvoirs qui n'est qu'arrogance et magnificence des hommes. Le pouvoir des visions de l'existence viendra sous les yeux, les Andes, la fin des heures. L'époque rabaissée, vous aurez des exclamations de dépit, vous aurez l'époque. Ici même, essaie de savoir l'heure réelle, par ce relais laissé dans ses usages d'expression qui sera cela. Avoir ici même laissé ses usages d'expression qui seront par cet art sacré. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. En laissant les usages d'expression être cela, vous aurez l'époque ici même qui était scellée et laissée dans ses usages d'expression. Vous connaîtrez l'heure de la herse. Les récits ici même feront des exclamations de surprise. En ayant ravivé cet art des mots, vous aurez les visions par les yeux, les gens des Andes, la fin. De Dieu sera le pouvoir des mots qui sera aux lèvres et à la bouche. Cela apportera la grimace. Il faut élever le pouvoir du sacre. Le sacré sera cela par la connaissance créée, avec ce pouvoir de parler. Le pouvoir de cet art contient les heures dans ses récits. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain 79, par la venue du grand législateur. Voici la révélation. Le pouvoir de parler par cet art de l'air des mots, ce sera le réel relais par ces notes. Vous aurez l'aveu d'un vent violent qui apportera la nudité.
Il faut avoir la volonté de voir l'aide par ce devoir. Il faudra gérer la grande époque de l'année des Andes, la fin. Le délai est dans ce legs. Ce sera cela. Rapidement, tu auras tes heures et l'époque pour parler de la venue du grand législateur. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les heures et l'époque seront réelles. Il faut les relater rapidement. Tu tisses ici même ce legs. Et j'aide pour le danger que vous aurez pour cette année de neige noire. J'ai géré l'époque rude que Dieu nous indique. Les haines et la nudité en seront l'aveu. Ce sera le pouvoir de parler par cet art des mots. Cette époque sera réelle. Le relais ici même pour ces heures relatées dans ce legs. Pour ce danger, il faudra en gérer la rudesse. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain 79. Humble, haussera, vexera les rebelles. Voici la révélation. Pour l'heure, il faudra avoir l'équivalent du blé, c'est-à-dire du maïs, de l'orge, de l'avoine. Pour l'heure, ce sera la hausse. Oui, tout augmentera. Vous connaîtrez l'heure des raves, navets, radis, betteraves. Ce sera la volonté de voir la menace de ces excès. Vous connaîtrez les heures de râle de cette époque. Seront de nombreux comportements rebelles. Pour l'époque du flux et du reflux de la mer, Dieu ailé nous laisse les usages d'expression être le sommet de l'humilité. Pour l'heure des eaux haussées, vous connaîtrez l'heure. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Dans ces usages d'expression rebelles sera inscrit l'époque du flux et du reflux de la mer. Les races et les êtres seront délaissés et laissés dans les eaux sévères. Ce sera la volonté de voir la menace dans les vers poétiques. Vous verrez les races rasées par les eaux haussées. Ce sera l'heure du flux et du reflux de la mer. Dans cette belle émission, j'ai hurlé les heures contenues dans ces usages rebelles. J'ai laissé les heures et l'époque. Les races seront axées sur ces sévères vers poétiques. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 79. N'estra sur terre aucun à émulateur. Voici la révélation. Les haines naîtront, vous aurez l'époque. Ici même ce sera pour cette terre. Vous aurez les premières certitudes. La terre sera en terreur dans les heures de cette époque. La durée de la vie sera limitée par les eaux haussées. Ce savoir est saint. Avant les premières haines seront des émules et des mouvements pour ces notes. Par tes heures, une époque renaîtra sur terre. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers, voici la révélation. À l'heure de cette époque, il y aura de nombreux meurtres, des raptes, des vols et des viols. Les avoir rapidement. La lecture sera lumineuse, elle sera tellement ressentie. La durée de la vie sera indiquée. Dans cette connaissance, ce savoir est saint. Vous aurez une eau haute qui ôtera les terres cultivables. Ce sera la terreur en ces heures. Tout sera gratté, effacé. Ton époque recevra la certitude d'avoir l'air des mots retraçant la rage de la terre. Vous aurez l'époque, ce sera ça, l'année et les heures les avoir rapidement. Vous aurez une grande lumière qui donnera la naissance des eaux hautes, qui retireront toutes les terres cultivables. Voici le récapitulatif de toutes les lignes soulignées. Ligne numéro 1. La durée de la vie, limitée par les armes des pouvoirs, qui n'est qu'arrogance, et magnificence des hommes. Effectivement, il est vrai que toutes les armées du monde sont fières de défiler avec leur armement dangereux. Ces armées sont pour Nostradamus le sommet de l'arrogance et de la magnificence de l'homme. De nombreux pays sont dirigés malheureusement par des démons. La guerre est démoniaque. Ligne 2. Vous connaîtrez l'heure de l'ERS. Effectivement, nous connaîtrons l'heure de la herse. La herse, pour Nostradamus, représente l'outil agricole qui sert à aplanir les modes de terre, surtout les terres agricoles. Ici, il compare le mouvement des eaux à une herse. L'eau aplanira toutes les terres. La date de la herse devrait être août 2028. Ligne numéro 3. Vous aurez l'aveu d'un vent violent qui apportera la nudité. Nostradamus nous annonce des vents violents. Si la planète ralentit sa rotation, nous devons nous attendre à des vents de plus de 500 km/h. Le voyant Edgar Guess ou Guessy
annonçaient des vents à plus de 600 km/h. Ce sont les visions qu'il avait sur l'avenir. Il disait que les villes deviendraient aussi lisses qu'un terrain de tennis. Ligne numéro 4. J'aide pour le danger que vous aurez pour cette année de neige noire. Nostradamus nous annonce de la neige noire. Cette neige viendra de l'atome et également des volcans qui se réveilleront. Souvenez-vous sur Hiroshima, après l'explosion de la bombe atomique, une pluie noire et radioactive était tombée sur les survivants, ce qui a complété l'hécatombe des civils. Lignes 5 et 6. Pour l'heure, il faudra avoir l'équivalent du blé, c'est-à-dire du maïs, de l'orge, de l'avoine ou du seigle. Pour l'heure, ce sera la hausse. Tout augmentera. Vous connaîtrez l'heure des raves, c'est-à-dire les navets, les radis et les betteraves. Nostradamus préconise des réserves. Il faudra avoir des réserves de nourriture, surtout de toutes sortes de céréales. Il ne faudra pas tarder à faire ses stocks. Depuis que l'Europe a décidé d'entrer en conflit avec la Russie, nous allons certainement manquer de céréales. L'Ukraine aura beaucoup de mal à fournir, à cause du conflit, le blé nécessaire à l'Europe. De plus, la Russie est un des principaux fournisseurs d'engrais pour l'Europe, et surtout pour la France. Dans les autres parties du monde, les fournisseurs tels que les USA seront hors de prix. L'agriculture française va souffrir énormément, pas cette année, mais certainement l'année prochaine. Tout augmentera de façon considérable. Les gens se rabattront sur les navets et sur les betteraves. Lignes 7 et 8. Les races et les êtres seront délaissés et laissés dans les eaux sévères. Vous verrez les races rasées par les eaux haussées. Avec la montée des eaux, de nombreuses régions, au niveau de la mer ou dans les vallées, seront sous les eaux violentes. Il faut prévoir d'être au minimum à 300 mètres de hauteur. C'est un minimum. De nombreuses peuplades dans le monde périront par les eaux. Ligne 9. À l'heure de cette époque, il y aura de nombreux meurtres, des rapts, des vols, des viols, et les avoir rapidement. La grande récession alimentaire et énergétique favorisera toutes sortes de délinquances. Imaginez les grandes villes de France sous un début de famine. Les gens ne partageront pas et se disputeront le moindre aliment. Les vols et les meurtres seront nombreux. C'est pour cela qu'il vous faut stocker la nourriture et surtout rester très discret. Car en période de récession, c'est là que de nombreuses exactions se produisent. Ligne numéro 10. Vous aurez une eau très haute qui ôtera les terres cultivables. Ce sera la terreur en ces heures. Tout sera gratté, effacé. Comme le dit Nostradamus, la air se passera. Le passage des eaux sera vigoureux. Elle arrachera tout sur son passage. Les zones cultivables seront grattées. Il faudra de nombreuses décennies avant de retrouver des terres pouvant produire de façon satisfaisante des légumes ou du blé. L'homme en cette période-là sera vraiment perdu. Il n'y aura vraiment que dans les hauteurs que nous pourrons à nouveau cultiver. Les vallées, quant à elles, seront désertiques. Seules les ronces pousseront. Donc il faut prévoir tout cela. Mais malheureusement, malgré les présages et les avertissements qui vous sont donnés, les personnes pensent voir ça bien installées confortablement dans leur salon, comme si c'était un film. Malheureusement, il en sera tout autre. Et personne semble prévoir et n'écoute pas les paroles qui sont dites dans toutes les prophéties du monde. Lisez l'Apocalypse, comme dit Nostradamus, la Bible sera une bonne référence. À la fin de l'Apocalypse, il est bien dit que la terre n'aura jamais connu un si grand silence. Ligne numéro 11. Vous aurez une grande lumière qui donnera naissance aux eaux hautes. Cette grande lumière sera l'explosion d'une arme nucléaire. Regardez mon logo qui se trouve sous la vidéo, le rond avec la planète Terre et la lumière qui est dessus. C'est le symbole de mes vidéos. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt.